Bonjour, bienvenue sur ce deuxième jour du Vlogtober. Je voulais vous montrer la chaussette que j'ai terminée, la chaussette sur promenade de Solène Lowe. Voilà ma chaussette. J'ai fait la pointe. Donc moi c'est des 60 mailles taille 37, donc bon ça va assez vite. Et j'ai monté la de seconde que je vais avancer là. Donc elle se tricote par le haut. Donc voilà, j'ai commencé à faire mes petites côtes. C'est des côtes torses. Voilà. Et puis je vais reprendre tranquillement avancer les côtes de mon pull là qui reste à terminer pour Christelle et Elka. J'aimerais bien le terminer parce que je vais vous montrer, j'ai craqué, j'ai monté le pink velvet. Bon, j'ai craqué. Après tout, hein, le tricot, c'est du plaisir. Hein. Si on doit se frustrer avec ça, il n'y a pas d'intérêt. Hein. C'est un loisir. Hein. Allez, à plus tard. Je ne vous ai pas dit, mais je me suis installée dans la chambre avec un petit thé pour regarder les podcasts que j'ai très en retard. Donc là, je suis avec Christelle de Rêver sa vie en couleur. Et après, je vais enchaîner sur les vlogcasts, certainement de la Fanette au petit pois. J'aime beaucoup son univers. À tout à l'heure. Alors je voulais vous montrer, j'ai craqué et j'ai monté le pink velvet. Donc voilà mes laines. Donc on voit mieux le contraste, c'est peut-être un peu surexposé. Et voici le rendu. Donc il y a, j'ai fait un peu plus haut que préconisé, des côtes 1-1, des rangs raccourcis ici là qui marqueront le dos. Donc le marqueur de début de rang qu'on a là, c'est le milieu dos et le jacquard. Qui se fait avec la surie. Alors déjà c'est une tuerie de douceur et je trouve que ça fait très joli, mais bon on en est au début, on se rendra mieux compte quand j'aurai un peu avancé, peut-être demain. Je viens de terminer mon pull test pour Christelle. J'ai raccourci les côtes du bas de devant de deux rangs, d'un aller-retour, parce que j'avais peur de manquer de laine. Et j'ai bien fait, il me reste ça. Donc clairement, je n'aurais pas eu assez pour faire juste cet aller-retour. En soi, ça change strictement rien. Donc j'ai préféré jouer la sécurité. Je sais pas si vous, ça vous le fait, c'est une peur que j'ai tout le temps, peur de manquer de laine à la fin. Je tourne la caméra de sens pour vous montrer ce que ça donne. Et ensuite, il va aller au bain. Quoique peut-être pas, parce que j'ai encore le gros gilet là, que j'ai fait pour Audrey Borrego qui sèche. Ça met une éternité à sécher tellement c'est gros.
Je pense que je le mettrai que demain, quand je me lèverai tranquillement. Je laissais une nuit de plus l'autre gilet à sécher. Je pense que je vais plutôt faire comme ça. Sinon, je vais pas savoir où tous les mettre. J'aurai pas assez de place pour mettre à plat. Voilà, donc là il est 18h15, je travaille ce soir. Je vais faire un petit truc rapide à manger parce que j'ai un peu la flemme, j'avoue. Certainement une quiche ou quelque chose comme ça. Et puis après il sera vite 8h30 pour repartir pour une nuit de folie. À la plus tard. Souhaitez une bonne soirée. Moi, je suis partie au travail et du coup, je vous dis à demain. Bonne nuit.